De retour pour la deuxième manche du championnat 1997 en mode de difficulté maximale avec la Tyrrell de Mika Salo. On se retrouve donc à Interlagos. On va démarrer la session de qualification. Et là, on rentre dans le dur. Mais vraiment dans le dur. D'ailleurs, on arbore des petits X-Wing Penguin pour cette deuxième manche. Le circuit d'Interlagos, vraiment différent hein, de celui de Melbourne. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large. C'est pas facile pour autant. Et là, la difficulté, ça va vraiment être notre vitesse de pointe. Il va falloir freiner le moins possible pour laisser la voiture filer le plus longtemps possible avec sa vitesse. Parce que pour regagner la vitesse, on va perdre pas mal de temps. Les voitures ont dû être modifiées ces dernières années. Ils sont maintenant plus épais et plus arrondis aux extrémités de façon à diminuer le risque de crevaison en cas de choc. Alors, au niveau des setups, les ailerons sont plutôt bas. J'ai rechangé un peu la partie la répartition des freins. On va voir du coup sur la ligne. Alors on va faire plusieurs tours, hein. On va faire qu'un tour. Parce qu'il y a vraiment du temps à gagner à tourner une ou deux fois encore. Allez, 13-0. Ça c'est une puissante accélération. 13-0 qui paraît être un temps correct. Mais je vais vous annoncer déjà de base. Hein. Comme j'expliquais dans la première vidéo, je m'entraîne avant de faire montrer la vidéo. Là, je suis en retard, c'est super. L'IA, là, concrètement, je vous laisse dans votre tête faire un petit pari et essayer de savoir à combien elle tourne en fait au niveau de la pole position. Et je vous montrerai à la fin ce que ça va donner. Voilà, mon deuxième tour est assez catastrophique, il va falloir que je fasse mieux que ça. Il fait apparemment un excellent tour en ce moment. Ah, je suis quand même en avance d'un dixième. Mais non, j'aurais pas cru. J'ai regardé V9, il est en 1.10.300. Ouais, t'es en 1.13, hein, je rappelle. Ah, j'ai pas fait mieux. 3 secondes de retard déjà sur V9. Et je me suis loupé, du coup. On va faire un tour à blanc. Alors ce qui est dommage, c'est que je ne peux pas changer les setups. C'est-à-dire revenir dans le menu, changer les setups, revenir, je peux pas. Je suis obligé de passer à la suite. À ces temps précédents, il est vraiment plus lent ici. Troisième vitesse. Il rétrograde en seconde. Il rétrograde en première. Ce circuit, c'est vraiment un juge de paix hein, pour savoir comment va se dérouler la saison de manière globale. Je regarde les temps de qualification maintenant. Malheureusement, il n'est pas aussi rapide qu'il ne l'a été lors de ses meilleurs résultats. C'est logique. Alors, on peut voir que je suis à 200, je suis même pas à 300 hein, en fin de ligne droite. C'est un vétéran de la Formule 1 et cela se voit dans sa façon de conduire. Ce premier temps intermédiaire est vraiment plus rapide que ne l'est le meilleur temps de qualification actuel. Alors le problème c'est que j'ai loupé le virage suivant. Est-ce que je peux améliorer mon propre temps? Bon, ça reste peut-être encore faisable. Et si je compare ce temps, il est en retard sur le leader au deuxième temps intermédiaire, mais son temps personnel s'améliore.
Alors, c'est le temps personnel qui va compter. Par contre, je pense que je me suis loupé. Les pilotes donnaient des signes de fatigue. En effet, toutes les écuries ont abaissé la position du pilote. Ouais, je fais 13-6, c'est pas beaucoup mieux, c'est même moins bien. Légèrement surélevé. Ça, c'est une puissante accélération. Alors, on peut utiliser la télémétrie hein, aussi pour savoir où on en est. Ce premier temps intermédiaire est vraiment plus rapide que ne l'est le meilleur temps de qualification actuel. Je pense que ce virage, il y a moyen de le prendre beaucoup mieux. Il faut prendre vraiment l'extérieur, intérieur, puis tourner à fond d'un coup. Mais même ça, c'est pas évident à faire. Bon, on peut prendre à fond celui-là, voilà. Problème. Ok, jetons un œil sur les temps de qualification enregistrés jusqu'à présent. Il est en retard au deuxième temps intermédiaire, mais il a amélioré ses résultats précédents. Ok, je pense que ça peut être un tour pas mal. Frenzen a fait le meilleur tour maintenant. Du coup, ça a fait tomber le temps de la pole. 12-7. Je suis en 12-7. Je pense pas que je vais pouvoir faire beaucoup, mais je tente peut-être une dernière fois le dernier virage là que j'ai loupé tout à l'heure. 12-7, c'est correct, mais vous avez vu, c'est le 9e temps. C'est le temps le plus rapide que nous ayons vu aujourd'hui sur ce premier tronçon. Voilà, si j'arrive à tenir jusqu'au vibreur et accélérer sur le vibreur sans être trop à l'extérieur, bah ça reste faisable. Il passe la troisième. Il passe la quatrième. Il rétrograde en seconde. Je pense que j'ai accéléré un peu trop tard dans ce virage. Malheureusement, il n'est pas aussi rapide qu'il ne l'a été lors de ses meilleurs résultats. Et allez-y maintenant, en une 9-400, vous voyez, ça baisse, hein. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, moi je recule dans la hiérarchie. Et non, j'arrive pas, une 13-1. On va faire fin de qualification, on va faire oui. Je vais garder avec cette configuration de voiture. Je vais juste revenir pour voir la grille de départ. Et on va être parti du coup pour la deuxième course de la saison. Au Brésil. Petit changement. Et c'est Frenzen qui est en pole. En 1:08.927, on est à 3 secondes 7 de la pole position. Villeneuve, Michael Schumacher, allez-y, Ralf Schumacher, Berger. Et on va démarrer la session. Bonjour et bienvenue au Grand Prix du Brésil 1997, ici sur le circuit José Carlos Pache à Interlagos. La piste ici a la réputation d'être rapide, chaotique et difficile, bien qu'il y ait plusieurs possibilités de dépassement sur cette longue ligne droite. Généralement, nous connaissons ici de bonnes conditions météo, bien que la pluie exceptionnelle de 1996 n'ait pas empêché Desmonil de dominer la course de bout en bout. Alors ce qui est assez ouf, c'est que mon coéquipier est 11e sur la grille en 1:11. Il a fait 1,7 seconde de mieux que moi. Et nous on va partir dans les tréfonds du classement. Le premier virage va être très important. Les pilotes occupent leur place sur la grille. Ils sont pas sur le mauvais côté de la grille. Les rouges commencent à s'allumer. Et c'est parti, c'est parti. Regardez ça. Alors je vais tenter l'extérieur. Stupéfiant, il est passé. Il vient de heurter Rubens. Allez, je passe à l'intérieur, mais c'est vraiment pour tenter le tout pour le tout au premier virage. C'était vraiment un excellent départ. Je vais essayer de pas donner l'aspiration. Mais vous allez voir que là, ça va vraiment, 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 vraiment être compliqué. Thank you.
Nous voilà dans le deuxième tour maintenant. Oh mon Dieu. On m'a touché un peu. Heureusement, j'ai pas trop perdu de temps. On va trop bloquer. C'est Verstappen qui est 8ème. En fait plus vite que le leader de la course. Incroyable, Verstappen avec la Tyrell qui est en position. Bon, à deux places des points quand même, mais pas si loin. Classement de la course, Jean Alesi, Michael Schumacher, Gerhard Berger. Là, il faut vraiment rester sur la trajectoire, sinon vous allez vous faire dépasser instant. C'est, là, il faut pas la quitter du tout. C'est-à-dire la bande noire. Et ce petit vous allez l'entendre pendant 10 tours. Il recule un peu. Parce qu'en fait, c'est impossible en fait d'aller plus vite avec ces voitures. C'est Frenzen hein, qui est dixième d'ailleurs. Vu la vitesse à quel point ils reviennent. Le pilote qui le précède va commencer à s'inquiéter après avoir pris connaissance du tour. Ah, le piège, c'est le vibreur intérieur. Qui est assez piégeux parce que suivant comment on va accélérer dessus, la voiture va partir complètement sur l'intérieur. Et l'écart se comble. Alors l'écart se comble, j'ai gagné un dixième hein, par rapport à Frenzen, je suis déjà à 4 secondes. Et je vous le dis, je vous le redis, essayez de faire ça à la maison avec ce jeu, hein, vous allez comprendre vraiment la douleur. La douleur que c'est que de faire Interlagos avec une voiture aussi lente en mode expert. La distance s'accroît. Surtout en mode égal, hein, c'est-à-dire vraiment pas de dégradation, pas de problème d'essence, tout le monde est au même niveau. 10e, Williams numéro 1. 11e, Mika Salo. Voilà la différence. À la 12e place, Shinji Nakano. Même la Minardi d'ailleurs, elle arrive à s'en sortir, regardez. Juste derrière la. Juste derrière Nakano. Il recule un peu. Ah, 6 secondes de. De Villeneuve ? Qu'est-ce qui s'est passé devant ? Qu'est-ce qui s'est passé devant ? Villeneuve 10ème. Frenzen tout à l'heure qui était 10ème aussi. J'ai un accident, je sais pas. Il y a quelques accidents dans le jeu, ça arrive. Voilà, par exemple, hop là, ça c'était compliqué. Regardez le bouchon que je forme. Et pourtant, je donne tout ce que j'ai. Hein. Je suis vraiment à fond. Il recule un peu. J'arrive même pas à aller plus vite. Et là, par contre, je suis loupé. Alors là, je reste à l'intérieur au maximum hein, pour éviter de l'aspiration. Nous sommes à la moitié de la course. Il accélère à fond maintenant. Mais là, concrètement, je ralentis toutes les bagnoles du jeu. Je suis plus lent que tout le monde, en fait. Pourtant, j'étais 19ème sur la grille de départ, hein. J'étais pas 22ème. Je perds une place. Je le savais. Intérieur. Ouais, c'est vraiment touché. Ah, je me suis loupé aussi. Je vous dis, tenir 10 tours avec une pression pareille, c'est pas évident. La distance s'accroît. Par contre, je suis en train d'espérer devant moi. Est-ce que Mika Salo va marquer un point ? Ah, je suis obligé de reprendre l'intérieur, de repiquer là. Sensationnel. Ça le met devant Nakano. Ah, il y a une McLaren qui a dépassé du coup. Ah, c'est impossible de ne pas donner l'aspiration de toute façon. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement ? À la 7ème place, Jos Verstappen. À la 8ème place, Olivier Panis. 7ème place, Verstappen. Incroyable. À la régulière, je trouve ça incroyable. L'écart se creuse.
McLaren qui met déjà la pression à leur accélération. A priori, pousser une voiture de course au maximum de ses limites est plus une question de tête que de cœur. Mais sur la piste aujourd'hui, il y a la performance et il y a aussi la passion. Plancher au maximum. Il remonte, c'est sûr. Et on remonte, j'ai gagné 3 dixièmes dans le premier secteur, effectivement. Mais alors après, vu le temps que je perds dans les deux autres... Du terrain. Il va m'attraper à fond. Classement de la course, Jean Alesi, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Eddie Irvine. C'est le problème quand ils sont à deux à se dépasser. Il se trouve juste derrière lui maintenant. J'ai freiné un peu trop fort. Attends, c'est Nakano qui est revenu à nouveau derrière. Il a fait un travail fantastique. Et on le voit, le petit bout d'aileron hein. De la Prost là. C'est vraiment par période, hein. Il y a des fois où ils sont tous derrière, des fois ils sont un peu plus loin. Quand vous pilotez une Formule 1, il ne faut pas être nerveux. Vous êtes attaché, vous ressentez chaque mouvement, vous faites corps avec la voiture. Décontractez-vous pour tirer le meilleur de votre machine. Et si vous êtes crispé, j'ai loupé mon freinage. Et la Minardi. Oh oh oh, la Minardi qui a fait en profiter. Et maintenant, quels sont les pilotes dans la suite du classement? À la 10e place. Williams numéro 1. À la 11e place, Mika Salo. 12e, Shinji Nakano. Il me lâche pas d'une semelle, hein. L'écart se creuse. Je l'ai un peu mieux pris, on va dire, ce secteur, mais ça reste quand même trop lent pour... pas s'en passer, quoi. Et maintenant, il attaque son dernier tour. Il se trouve juste derrière lui maintenant. Ah, Trulli 10ème. Ouais, Trulli sur la Prost, hein, je sais pas si y a pas Panis. De la course, Jean Alesi, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Eddie Irvine. C'est une victoire pour Jean Alesi. Et Jean Alesi, victoire sur la Benetton. Je suis sûr que Flavio Briatore va être très satisfait. Mais légèrement touché là. À la deuxième place, Gerhard Berger. Oh, doublé Benetton. À la troisième place, Michael Schumacher. Et même pas la 4ème, 5ème, bon on le verra après de toute façon. Bon normalement c'est bon. On va terminer 11ème, Mika Salo. Il s'est certainement amélioré. Pff, c'était vraiment une purge. Alors vous avez vu un rythme moyen. Je perds une seconde par tour quasiment, voire une seconde et demie. Sur les pilotes devant quoi. Je suis vraiment vraiment à l'agonie sur ce tracé. C'est vraiment peut-être le circuit le plus difficile je pense avec cette voiture. On va voir après hein, pour la suite du championnat. Alors du coup c'est Schumacher 3ème, 4ème Irvine, 5ème Schumacher et 6ème David Coulthard. Il n'y a aucune Williams dans le top 6. Faut le faire quand même.
Allez, allez-y, meilleur tour. On est ex-aequo derrière Jean-Lézy qui n'est pas marqué de points. Ok. Au niveau du championnat pilote, on est 3ème. Bon, on fera ce qu'on peut, hein, avec ce qu'on a. Et du coup, bah, la 3ème course de la saison sera au Grand Prix d'Argentine. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite. Ciao tout le monde.